Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer Nicolas Fructus, qui vient de nous interpréter une improvisation. Je crois que c'est une improvisation. Oui, sans travail en cours. Super. Donc aujourd'hui, Getting Shit Done est à Champagne et on va passer un moment à discuter avec Nicolas. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Voilà. Je vais essayer de faire simple et pas trop Shadok. Je vais surtout... en fait, je suis illustrateur. Mon métier principal, c'est l'illustration. Je suis dessinateur. Et je travaille depuis plus de 25 ans dans le milieu de l'illustration. Et puis ça m'a permis de toucher à partir de ça à plein d'autres domaines. Je travaille aussi un peu en dessin animé, en jeux vidéo, en cinéma, en jeu de rôle, en jeu de plateau, sur différents supports. En gros, tout ce qui faisait appel à la concrétisation de ce qu'on appelle généralement une bible graphique. Quelque chose qui demande un développement graphique qui puisse être décliné, soit par d'autres équipes dans le travail de collaboration, comme du dessin animé ou du cinéma, ou des choses plus simples, pour parler plus simplement, comme de la bande dessinée, où on est tout seul et on gère son projet de A à Z. D'accord. Alors, on va revenir plus en arrière, sur des choses plus simples. Est-ce que tu peux parler de ta famille, par exemple, est-ce que tu vis tout seul? Est-ce qu'il y a une famille Fructus? Non, je suis marié, il y a, les Fructus se sont reproduits. Donc, nous sommes quatre, il y a ma femme et mes deux enfants, qui ont 17 et 13 ans. Et deux garçons, donc on habite une maison dans laquelle je travaille. J'ai toujours travaillé à la maison, hein, essentiellement. Après, en production, on est toujours amené à travailler en studio, mais la majeure partie de mon temps, je le passe à la maison. Donc et ça a été dans le temps, en fonction des espaces et de l'argent qu'on avait pour pouvoir vivre correctement, ça a été de pouvoir travailler dans le salon, la cuisine, un peu partout, jusqu'à avoir petit à petit une maison comme aujourd'hui, comme où le genre d'espace où on est là aujourd'hui, qui est un petit studio son que je me suis fait en plus de ma partie atelier et travail. D'accord, cool. Alors, à l'école, comment ça se passait? T'étais un bon élève? Comment c'était à l'école? Alors, j'étais plutôt un bon élève au départ. On va dire jusqu'à l'adolescence, et comme pas mal de garçons qui commencent à décrocher un peu à partir de la quatrième. J'étais plutôt un bon élève, sauf que j'ai été assez vite piqué par un virus qui s'appelle le jeu de rôle. Et ça, j'ai commencé dès l'âge de 11-12 ans, et ça a commencé à prendre une part très importante dans ma vie dès 13 ans, où je commençais à fabriquer pas mal de scénarios, à m'amuser dans mon coin, à développer mes petits univers fantastiques, puis à jouer avec les copains. Et je n'ai jamais décroché scolairement, mais en fait j'ai toujours travaillé suffisamment pour avoir le niveau moyen, pour avoir toutes les notes et passer à chaque fois successivement les années, mais sans chercher non plus à forcer comme un dingue, parce que c'est plein d'autres choses m'intéressaient. Après, scolairement, j'ai eu un parcours tout à fait normal jusqu'au bac. Et puis après, j'ai enchaîné avec l'école de dessin. Mais le parcours scolaire, il s'est plutôt très bien passé. D'accord. Et donc, ouais, tu as fait une école de dessin, donc? Ouais, j'ai fait Émile Cole à Lyon, juste à la sortie du bac, où j'ai fait 3 ans d'études en dessin avant de remonter sur Paris et de commencer professionnellement. Donc à 21 ans, moi, j'étais dans le circuit professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai déjà, mine de rien, 27 ans de professionnel. D'accord. Alors, ton premier vrai job, qu'est-ce que ça a été? Mon premier vrai job. Alors, dans quel sens significatif. Premier boulot vraiment professionnel, en fait, je débarque sur Paris avec deux copains, avec Pierre-Alain Chartier et Humbert Chabuel. Dès le sortir de l'école, eux, ils travaillent déjà en production, puisqu'ils travaillent déjà sur le cinquième élément de Luc Besson. On a un petit appart qu'on loue. Et moi, je monte avec eux à Paris, à la capitale, hein, c'est vraiment comme au 19e.
Sauf que moi, j'ai pas de boulot potentiellement. Donc, j'ai rien. Et en fait, dans les 15 jours qui ont suivi l'installation à Paris, j'avais déjà fait des prises de rendez-vous. J'ai décroché un petit livre, c'est les livres jeunesse chez Hachette, au livre de poche jeunesse, qui développait des collections avec des illustrations internes en noir et blanc. Et il fallait faire une quinzaine d'illustrations en noir et blanc. Et c'est Arkman Chatrian, c'est Histoire d'un conscrit de 1813. Donc c'est mon premier boulot. Alors en gros, j'ai eu ça dans l'année, c'est tout. Donc ça a été, après, ça a été vache maigre toute l'année. Ça a été très violent parce que les copains, ils travaillaient, ils avaient un salaire. Moi, j'avais rien. Et ce livre-là, c'était le premier boulot. C'est arrivé tout de suite, mais il n'y a eu que ça. Donc ça a été très violent. Après, j'enchaînais avec d'autres. Il y a eu d'autres petits livres comme ça. Et puis, postérieurement, après, il y a eu d'autres collaborations avec Fleurus, avec d'autres choses. Et puis, avant que les autres boulots ne démarrent. Mais, ouais, très, boulot très sympa. Et puis, c'est, en plus, c'est d'autant plus signifiant que je reviens souvent à cette forme de dessin, qui est l'illustration interne de livres. Et c'est quelque chose que j'aime particulièrement, ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi ton job de maintenant? Je ne sais plus trop. Non, si, ça reste quand même l'illustration, parce que je travaille essentiellement... j'ai un gros de mon travail qui n'est pas forcément connu de tout un chacun, ou des gens qui me connaissent au travers de la bande dessinée ou de l'illustration, qui est l'illustration de jeux de plateau. Je fais des jeux de plateau, jeux de stratégie, jeux de cartes, donc dans le milieu du jeu, déjà parce que j'ai toujours été joueur, mais également parce que depuis quasiment 20 ans, je collabore avec des gens qui eux-mêmes ont créé des sociétés et ont développé des jeux, qui font qu'ils m'appellent régulièrement, et j'ai un appel de fond de ce travail-là, qui est un roulement permanent, en fait, qui est passé devant tous les autres boulots, mais qui a remplacé complètement le travail en production, par exemple, et qui fait que je développe des plateaux de jeux, des choses comme ça, journée continue. Donc ça, c'est le gros du travail. Au-delà de ça, ça permet de me financer, en fait, d'autres types de boulots, que sont, par exemple, les livres d'illustration, qui est du travail de longue haleine, qui va être du travail sur un an et demi, deux ans de travail, qui donne lieu soit à des crowdfunding ou avec des montages financiers assez compliqués quand même avec les éditeurs pour arriver à sortir ce genre de livre, ce genre d'ouvrage. Et puis, je continue à collaborer, je fais des couvertures de livres, j'ai des collaborations avec des auteurs de fantastique, parfois. Enfin voilà, ça reste quand même très ancré sur l'illustration. Bon, par ailleurs, je développe, je fais de la musique, j'écris un peu, et je travaille plus spécifiquement là, en ce moment, sur un projet qui est assez atypique, qui est le projet de développement d'un univers sur lequel je suis amené à intervenir. Je fais des illustrations, des cartes, j'écris des textes, il y a des musiques qui sont connexes, et je suis bon an mal an, je suis en train de monter une petite plateforme pour essayer de mettre tout ça en place et que tout ça soit accessible aux gens, en fait. Super. On va revenir sur le travail en lui-même, mm-hmm. puisque c'est la thématique de Getting Shit Down. Ouais. Quelle est ta routine? Comment c'est quoi une journée de Nicolas Fructus? Une journée de Nicolas Fructus. C'est pas forcément très funky, parce que le problème du dessin, c'est qu'on est derrière une table. On est sur sa table à dessin 10, 12, 15 heures par jour. Donc, non, comme on a. Alors, c'est sans rigoler. Donc, c'est un travail indépendant. Donc, que veut dire le travail indépendant? C'est qu'on organise soi-même ses journées. Et comme j'ai une famille, c'est intéressant d'arriver à consacrer du temps. En plus, je suis à la maison. D'arriver à consacrer du temps en simultané avec la famille. Donc, on est calé plus sur les horaires d'école et tout ça, donc on se lève relativement tôt, et moi je vais commencer entre 7h30 du matin et 8h30, en gros, à l'heure où les enfants partent à l'école. Et moi je commence à travailler. Je vais parfois m'arrêter entre midi et deux, parce que pareil, il y a les enfants qui peuvent revenir manger à la maison. C'est un peu scandé, tout ça, par ces journées scolaires.
vers 4-5 heures, je vais peut-être refaire une pause, et puis je vais redémarrer fin de journée, et puis voire soirée. Et pendant longtemps, ma femme qui est indépendante aussi, on travaille, alors je me suis calmé avec les années, mais on travaille facilement jusqu'à minuit en fait. C'est-à-dire qu'on fait le tour du compteur, on fait le tour de la journée, on travaille tout le temps en fait, mais on égrène ça de moments où on décroche. Moi, je peux décrocher 2 heures, mais par contre, je reviens à la planche à dessin au bout de 2 heures, et là, je me remets à bosser automatiquement. Donc, ça sont des journées parfois morcelées, et en gros, autant avant, moi, je suis monté à des 15-16 heures de travail par jour, là, je me suis vraiment calmé. Je dois être une dizaine d'heures, quoi. Voilà. Réparti donc sur la journée, sur 16 heures d'éveil, quoi. Alors, c'est quoi une bonne journée pour toi? Alors, une bonne journée, c'est quand, quand je pose le stylo ou que j'éteins l'ordinateur ou qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit sorti dans la journée. C'est-à-dire quelque chose qui ne pouvait pas exister la veille, qui est arrivé, que je ne pouvais pas présupposer. C'est ça, une bonne journée. C'est-à-dire, on a tous des capacités techniques pour arriver à réaliser quelque chose dans un temps donné. Et dans ce temps donné, on ouvre parfois des portes qui permettent d'accéder à des visions, qu'elles soient graphiques, musicales, littéraires, ce que l'on veut, que l'on ne supposait pas forcément. Et c'est quand on se retrouve avec quelque chose qui vient de nulle part, alors qui vient de quelque chose évidemment, qui vient de cette attitude de travail, ça c'est une bonne journée. Alors, je reviens sur l'histoire justement de la journée. C'est-à-dire que ça, ça se produit aussi parce qu'on a une discipline de travail. Une main, ça se chauffe, pour n'importe quel sportif. Moi, je sais que le dessin va prendre des aspects différents en fonction de l'heure de la journée. Et au bout de 2-3 heures de travail, je sais que ma main va être prête à exécuter telle ou telle chose. Donc, il y a un processus intellectuel qui fait qu'on... On tente des choses, on essaie des choses, et la bonne journée, c'est quand on a décidé qu'il fallait que telle chose sorte, on arrive à la sortir. Et quand on a fini la journée, on se retrouve avec quelque chose en face de soi qui n'existait pas la veille, encore une fois, et qui, si ce processus de travail n'avait pas été fait, n'existerait pas. Et ça me remplit de joie. Super. Alors, à contrario, c'est quoi une mauvaise journée ? Est-ce qu'il y a des mauvaises journées ? C'est la même chose, sauf qu'au moment où tu lèves le crayon pour essayer de faire le truc, tu le foires. Ou alors, t'as fait 5 heures de travail de préparation, et d'un coup, c'est la désescalade. C'est-à-dire que tout se casse la figure, tu fais que de la merde, et t'es bon pour déchirer ton dessin. Ça arrive, hein. Ou alors, on a une idée précise dans la tête, et puis ça n'arrive pas à se projeter, c'est impossible. Il y a en musique, il y a ce rapport-là aussi, c'est quand on empile des pistes de son, on sent qu'il y a une idée, il y a un truc, et ça ne veut pas venir, et c'est souvent simplement un équilibrage des volumes des différentes pistes qui font que la musique devient limpide d'un coup. Ce côté un peu symphonique, hein, c'est comme si un orchestre était disproportionné, c'est-à-dire qu'il y avait 50 violons au lieu d'en avoir 10, et que les violons sont toujours dominants, et ils bousillent la phrase de chant, et ça, voilà. Il y a un côté mal accordé dans tout ça, et en dessin, il y a le même phénomène, c'est d'avoir passé un glacis. Ce glacis, il est trop fort, donc il vient de réécraser toute la peinture. Donc ça veut dire qu'il faut soit essayer de l'effacer, soit attendre que ça sèche, et puis tout recommencer. Et ça fait des satanées journées. Moi je foire encore des journées, et puis c'est normal. Et puis on n'est pas forcément prêt à... En même temps, moi, j'ai une pratique quotidienne. C'est-à-dire que quel que soit le jour, je dessine toujours. Enfin, je fais toujours un truc. Donc, quel que soit ce truc, que ce soit de l'écriture, du dessin, de la musique, n'importe quoi, c'est, au travers de cette discipline, fatalement, il y a des jours où ça ne passe pas. Et où on referme l'ordinateur ou la planche à dessin et rien n'est sorti, quoi. Rien n'est sorti. Alors, c'est pas la page blanche, hein. Mais ça foire. Ça marche pas. D'accord.
Alors, est-ce que tu pourrais me donner trois outils que tu aimes et qui sont une extension de toi-même? Si tu as une maison remplie d'outils, si tu dois en choisir que trois. On va mettre crayon, pinceau, on les garde peut-être comme un objet. Sur l'ordinateur, j'ai envie de mettre l'ordinateur. Le clavier de piano, ça c'est clair. Et l'ordinateur quand même. J'ai envie de mettre l'ordinateur en tant qu'objet unique, indépendant, parce que ça permet de faire tellement de choses. Enfin, c'est une vraie. On avait un truc entre copains justement de l'école quand on était à l'école. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été très crade. C'est-à-dire que dans mes étapes de travail, je pouvais être très très sale, j'en fous de partout, je m'en fiche, et j'en mets partout, j'empile, et je passe des couches et des couches, et puis j'en mets partout, j'ouvre les tubes, vraiment, enfin, et même l'original finit par se salir quand même. Mais la révélation, ça a été l'informatique, parce que le jour où j'ai eu un ordinateur, je me suis aperçu que je pouvais travailler proprement. Mais ça, c'est une révolution dans une tête. Alors quand je fais partie d'une génération où on était au début de l'informatique, j'ai découvert ça en 96, j'ai utilisé véritablement un ordinateur en 96, ça a été une révélation. Donc là, en tant qu'outil, voilà, c'est en tant qu'extension, ce que tu disais, extension de la main, ouais, clairement, oui. Alors le clavier, oui, parce que ça sort ce qu'on veut. Crayon, pinceau, ben. Pareil pour l'aspect graphique, parce que ce sont des outils qui amènent d'autres langages. Moi, ça m'a permis d'avoir d'autres langages. Au même titre qu'on peut parler des langues étrangères, moi, je vois ça un peu comme des langues étrangères. C'est-à-dire arriver à maîtriser un clavier ou à réfléchir une musique, c'est un langage. Le dessin, c'est un langage. L'outil informatique est un langage. Et c'est la façon de l'organiser d'utiliser cette grammaire, et puis d'essayer d'avoir une orthographe la plus correcte possible, ben voilà, c'est un langage. Et toi, d'ailleurs, quand tu dessines tout de façon digitale ou tu commences à dessiner sur papier, tu scannes et tu mets en Alors, c'est couleur? marrant parce que on va revenir sur les journées foirées ou les journées réussies. Et il y a un lien qui est assez intéressant. Moi, pendant des années, j'ai travaillé que sur ordinateur. Parce que c'était souvent orienté sur du travail de production, où il fallait livrer des choses le plus vite possible et que ça puisse passer par le net et que ça aille vite. Donc, pour que ça aille vite, le mieux, c'est de tout faire sur machine. Et puis ça permet, pendant toutes les années de découverte, on essaie de remplacer tout ce qu'on sait faire à la main en traditionnel par quelque chose d'informatique qui est tout autant fait à la main, hein, faut pas se leurrer, mais qui, comme c'est un autre médium, permet d'autres choses et d'aller plus loin effectivement dans la propreté, dans la qualité du rendu, dans tout ça. Bon ben, au moment de l'étape d'esquisse, alors je raconte tout ça parce qu'au moment de l'étape d'esquisse, il y a un phénomène qui est assez important, je trouve. Enfin, c'est pour moi. Après, d'autres ne réagissent pas comme ça. Il y a des boulots, moi, que j'ai réussi à appréhender en les dessinant directement par informatique, parce que je n'y arrivais pas sur papier. De chercher comme ça et de perdre la journée à me dire, mais ça marche pas, cette idée, elle marche pas. Je passe sur machine, en 5 minutes, ça tombe. Bon. Puis je me suis aperçu que le phénomène inverse existait aussi. C'est-à-dire que je cherche pendant 2 heures sur ordinateur et je me dis, mais c'est immonde, il faut arrêter tout de suite. Je passe sur papier et en 2 minutes, le truc tombe. Alors après avoir tergiversé dans sa tête et de se dire, mais c'est parce que tu as déjà travaillé 2 heures que tu y arrives maintenant sur un autre médium. Ouais, mais non, c'est pas suffisant. En fait, l'ordinateur instaure un rapport différent du cerveau à la main et de la main à ce qu'elle fait et de ce que le cerveau voit, de ce que la main fait. Alors, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais ça donne un rapport d'échelle. Donc quand on travaille en traditionnel, on travaille sur un ratio qui est à peu près toujours le même,
qui est cette distance d'une quarantaine de centimètres entre la tête et la surface sur laquelle on dessine. Et donc, ça implique une certaine façon de cadrer, une certaine façon d'élaborer les esquisses, une certaine façon de dessiner aussi, d'amorcer ces esquisses, qui réagit différemment en fonction, alors qui réagit très différemment en fonction des formats. Sur ordinateur, on a un truc qui est phénoménal, qui est de pouvoir prendre de la distance, reculer et de se rapprocher très très près de sa surface de travail. Donc on peut agrandir au maximum, comme rapetisser au maximum, ce qui fait que ça permet de voir très très vite si une image fonctionne. Je vais faire une mise en page, je vais faire un cadrage, bah, tout de suite je vais le regarder très très loin en me disant, voilà, en clignant des yeux, là, est-ce que ça marche ? Alors, on peut faire ça aussi avec un original. Mais un original, il faut le poser dans une pièce à 4 mètres, circuler, puis dire, ouais, c'est pas mal, et puis on revient dessus, et puis on le rattrape, et on continue de dessiner. Mais on a obligé une rupture temporelle entre le moment où on dessine et le moment où on le pose pour le regarder. En informatique, les deux se passent en simultané. Donc fatalement, cérébralement, ça implique d'autres mécaniques. Et ces autres mécaniques font que, sur certains boulots, on peut faire esquisse papier numérisée. Soit même quelquefois, je photographie juste et je balance sur la machine, hein, c'est suffisant. Soit je fais un bon scan. Ou alors l'inverse, de travailler tout sur machine. Ça m'est même arrivé de travailler sur machine jusqu'à une certaine étape. Et puis j'imprime ça en très très clair et je le continue en traditionnel. En me disant, ben voilà, jusqu'à cette étape-là, c'est plus facile, plus aisé d'appréhender ça en numérique et de le continuer en traditionnel. Et il y a encore un autre rapport avec la peinture, par exemple. Parce que la peinture, il y a à bout de bras, on est plus loin aussi. Et on a besoin de regarder l'original tout le temps très loin. Donc il y a aussi tout un jeu. C'est beaucoup un jeu de distance, en fait, le dessin, dans certains rapports. Dans le rapport à l'esquisse, mais après aussi dans le rapport à la finition. Et le rapport à la finition, on retrouve ce rapport entre la peinture et l'ordinateur. C'est-à-dire que là où la peinture, on doit toujours regarder l'original de très loin pour être sûr de ne pas perdre la conduite de l'image. Parce qu'un accident sur une image, sur un original, le repenti n'existe quasiment pas. Enfin, on ne peut pas refaire. Il y a un moment où on ne peut plus couvrir, on ne peut pas couvrir à l'infini. On peut vraiment bousiller son image. Donc on fait très attention à cette histoire de distance. Et à toujours garder une vue globale de l'image. Quand on est en numérique, on peut rentrer sur 2 cm² de l'image et la pousser à fond, et on sait que la qualité de l'image numérique va d'autant plus prendre si on la travaille, si on travaille tous les micro-détails. Donc c'est en sachant que le global, on ne le perd pas. Donc c'est vraiment d'autres rapports à l'image et d'autres façons de penser. Donc en fonction des jours, donc ça dépend de l'humeur, hein, très, très précisément, pour finalement répondre à ta question. Je suis désolé d'être long, mais c'est ça demande tout ça d'explications, je trouve. Hein. L'humeur change énormément les choses. C'est-à-dire que j'ai caricaturé, mais j'ai bu trop de café, je suis complètement speedé sur une idée, je me dis ouais, il faut absolument faire ça, et je commence sur papier, ça va être une catastrophe. Parce que je vais pas avoir le... Il y a un moment où dessiner en traditionnel, c'est une respiration aussi. C'est pas du zen, mais pas loin. Enfin, il y a une façon de respirer, on n'apprend pas les choses de la même façon. Il faut rythmer, il y a le rythme de la main, il y a le rythme de l'œil qui regarde ça aussi. Donc si tout ça est trop speed ou trop mou, ça marche pas. Donc il y a un moment où il faut arriver à caler tout ça. Sur informatique, c'est un peu plus souple. Il y a... un peu plus d'amplitude de travail là-dessus, donc à ce moment-là, je vais passer sur machine. Et puis à d'autres moments, ben voilà, le travail sur machine sera contre-productif. Cool. Alors, en complément, de quoi tu ne peux pas te passer ? Et ça, c'est dans le boulot ou dans la vie, qu'est-ce qui t'est réellement indispensable ? Ma femme, le rapport humain, enfin l'amour, le sexe, tout ça, enfin je trouve que c'est avant tout ce que je viens de dire. J'ai envie de dire que c'est avant tout ce que je viens de dire. En élargissant un peu,
la dimension humaine, le rapport humain. Parce que c'est primordial. C'est juste primordial, vital. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en passer, mais c'est vital pour un éveil du corps et de l'esprit, je trouve. Enfin, c'est voilà, ça, je vois pas comment ça peut fonctionner autrement. Nous sommes humains trop humains et voilà. Ce qui ne peut pas être enlevé, c'est le ce qui fait que l'on est en état de vie et non pas de survie. C'est-à-dire que on agit au quotidien pour que ce quotidien marche, mais c'est pas suffisant. Là, on est encore dans la survie. Et au-delà de cette bonne fonction du quotidien, il y a le fait de faire des choses dans ce quotidien. Et faire des choses dans ce quotidien, là, on passe au faire les choses, fabriquer les choses, créer les choses, conceptualiser les choses, arriver à autre chose, justement transformer, pour que ce quotidien, même s'il reste quotidien, il mute, et qu'il y ait une évolution, une ouverture, une pensée. Et ça passe... ça passe par l'art, mais pas seulement. Enfin, on peut être mathématicien hein, en pensant comme ça. Enfin, c'est pas voilà, il y a rien d'incompatible. C'est pas spécifique à l'art. Je pense que c'est spécifique à toute pratique qu'on est amené à faire. C'est tout. C'est voilà. C'est le fait de dégager autre chose et qui permet de nourrir, c'est-à-dire de passer du stade de la survie à la vie. Quoi. S'il y a quelque chose de primordial, c'est ça. Au bout du bout. Alors, justement, pourquoi tu te lèves le matin ? Alors, c'est une très très bonne question, parce que je me la pose tous les matins. Pas d'un point de vue dépressif, mais pas loin. Je serais pas loin d'avoir une pensée quasi nihiliste. Je pense profondément que... Un qu'on ne sait rien et qu'il n'y a probablement rien, de nulle part et de quoi que ce soit. Je n'ai aucun problème avec l'idée que aucun sens n'existe à rien. Je pense même profondément que c'est ça. Je pensais profondément ancré en moi. Je me suis senti pendant des années plutôt agnostique. En fait, je suis franchement athée aujourd'hui. Pour être dans cette pensée-là, et du coup, me lever le matin, tous les jours je me lève le matin en me disant « mais pourquoi ne se tire-t-on pas une balle ?» Et c'est pas par négation, mais par... c'est un peu la conclusion, juste en lisant un peu de Cioran, des pensées de Cioran, au bout de la 20e page, on se dit, mais avec ce qu'il dit, on est bon pour se tirer une balle. Et moi, dès que je réfléchis un peu, je me dis, oui, ben là, je peux me tirer une balle. Mais c'est... justement, comme je n'ai pas d'explication et pas de raison, je me dis que c'est toujours plus intelligent de continuer. Il y a un deuxième stade de réflexion, donc ça, c'est au deuxième pas le matin. Je me dis, vas-y, teste. Il y a toujours cette motivation. Alors je ne sais pas comment ça évoluera, d'un côté positif ou négatif, ou franchement négatif, parce que c'est ça peut être assimilé à des pensées vraiment sombres, mais en même temps, si j'ai fermé un truc la veille qui me motivait, c'est justement ça que je vais avoir envie de continuer en me disant, ça n'existait pas, et donc le troisième jour, ça amènera peut-être encore autre chose. Et je ne peux pas me passer de l'idée que si je peux prétendre qu'il n'y a rien, et aucun fondement à rien, on ne peut pas prétendre qu'il ne puisse pas ne pas y avoir de fondement quelque part. C'est ce que je veux dire. Ça peut se retourner exactement de la même façon. Donc ce serait de rendre positif le nihilisme. Mais alors est-ce que le nihilisme géré ne serait pas ça ? Mais... je pense toujours que Cioran se raconte peut-être un peu d'histoire, finalement, qui s'auto-raconte de belles histoires pour essayer de survivre, finalement, parce que le constat est terrible. Je suis loin de ça, hein, quand même. Je suis pas. Mais plus ça avance, plus je suis pas mal dans ces pensées-là. Mais je trouve ça, par ailleurs, très constructif. Enfin, ça n'empêche pas. Ça permet de remettre les choses à plat et de...
d'avoir l'honnêteté de dire aussi et de se dire tu t'es peut-être trompé tous les matins et de me dire ben voilà tu t'es peut-être gouré et puis alors c'est gênant quand on se dit hein, ben, je viens de perdre 10 ans là quand même donc c'est pas le but n'est pas là mais ça permet de beaucoup relativiser les choses et de se remettre en question à chaque instant. Parce que, alors là, pour le coup, je trouve que c'est essentiel dans le travail, dans le quotidien et dans la relation humaine aussi. Alors justement, quelle est ta plus grande réussite personnelle ? Ouf ! C'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je fais non plus, mais plutôt, j'ai encore alambiqué le truc, c'est, désolé, mais la question soulève plein de points, c'est plus ce que je suis au travers de ce que je fais, c'est pas moi en tant que personne, pardon pour le micro, c'est pas moi en tant que personne, c'est le résultat de ce que perçoivent les gens du peu que j'ai pu amener au travers de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, c'est plus... quand on finit un album de BD, on va avoir un rapport hein, ou un livre, on a un rapport direct à l'objet en se disant « Ah ouais, c'est sympa » ou alors « Oh, c'est nul, il faut que je refasse » ou voilà. Ça, c'est le degré zéro de... voilà, c'est... C'est ce qu'on a en retour de ce qu'on vient de faire, mais c'est... Mais 20 ans après, quand on rouvre cet album ou qu'on le regarde, on se dit, bah voilà, il y a tant de personnes qui l'ont lu. J'espère qu'ils y ont vu quelque chose. Dans ce qu'ils ont vu, est-ce que ça leur a amené quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ? Est-ce que c'est... À quoi ça les a ouverts ? Et finalement, comment ils me voient ? Mais c'est pas moi en tant que Nicolas Frutu, j'en ai rien à faire. Mais c'est... en tant que personne qui a été active pour essayer de mettre à plat des idées, des visions, des choses, voilà, des choses qui pouvaient potentiellement faire rêver les autres. Et c'est ça dont je suis content, dont je serais content finalement. C'est si j'ai l'impression que... c'est pas gagné, hein. Mais c'est si j'ai l'impression que... J'ai fédéré des gens à leur donner une appétence à rêver. Cool. Alors, là, on vient de parcourir pas mal de ta réflexion, de ton boulot et tout ça. Qu'est-ce que tu as compris depuis que tu bosses, là si tu avais à partager une pépite ou deux, on a tous compris de ouais. choses, qu'est-ce que tu peux nous passer là, qu'est-ce que tu as pigé là que tu pourrais nous. Il y a deux, trois trucs marrants quand même. J'ai 49 ans là, donc ça commence à être un axe charnière. Pour plusieurs choses. Déjà parce qu'il y a... J'ai déjà plus de la moitié de mon travail derrière moi. Donc ça commence à... Voilà. Ça pose déjà une première série de réflexions. Ce qui m'impressionne toujours, c'est que quand on est jeune, quand on démarre... Alors quand on est jeune, pas forcément, mais quand on démarre sur une activité... C'était le cas du dessin, il y avait quelque chose, je sais que j'avais une mécanique dans la tête qui me disait « Mais non, mais de toute façon, t'es capable de tout faire, de tout dessiner, de tout, on te demande un truc improbable auquel t'as jamais pensé, il faut être capable de le faire. » Et le but, c'était « Quoi qu'on te demande, t'es capable de le faire. » On te propose un boulot, tu dis « Ok, c'est pour moi. » Et il y a un truc génial... Tout en connaissant mes limites techniques, ça n'a rien à voir avec la limite technique. Alors oui, évidemment, il faut quand même pouvoir arriver à réaliser quand même un minimum de choses, mais c'est pas, on demande pas à être le Mébius de service ou c'est pas ça. Hein, mais d'être capable quand même de tout couvrir et de se dire mais je vais bouffer le monde et je suis capable de tout faire. Alors oui, en fait, on est capable de tout faire. Mais après, la chose sur laquelle on percute, c'est de se dire, mais est-ce que je le fais bien ?
Et est-ce que je le fais avec la conviction qu'il faut pour que ce soit à propos, justement ? C'est-à-dire pour que ça ait un sens. C'est-à-dire que c'est pas tout de dessiner, je sais pas, un coureur de 100 mètres haies. Oui, je suis capable de dessiner un coureur de 100 mètres haies. Est-ce que c'est un intérêt graphique ? Aucun. Moi, hein, quand je le fais. Ce qui serait pas le cas d'un autre dessinateur. Donc je le fais pas. Et d'avoir conscience... Cette conscience que c'est pas parce qu'on est potentiellement capable de faire plein de choses qu'il faut faire toutes ces choses-là. Ça sert strictement à rien. Et on a besoin, il y a des âges où on finit par avoir besoin de prendre des, même pas des raccourcis, mais de tailler un peu les haies pour avoir un peu plus de visibilité dans le labyrinthe de sa vie. C'est comme si on regardait un labyrinthe végétal, et puis ben, de temps en temps, il faut tailler quand même pour voir et de se dire, ben voilà, il n'y a peut-être pas 36 chemins, j'arrive à 50 ans, il n'y a pas 50 issues non plus, on sait ce qu'il y a au bout dans 20, 30, 40 ans, allez, 50 ans au mieux, tant mieux hein, si c'est ça, mais ça malgré tout, il y a un chronomètre, et le chronomètre il avance. Et comme ce chronomètre avance, ben on ne peut plus faire tout et n'importe quoi, première chose. Ça paraît bête, hein, mais moi, c'est une grosse révélation. C'est pas si vieux que ça. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que j'ai bien compris, mais j'ai mis quand même 15-20 ans avant de comprendre qu'il faut arrêter de sauter sur tout ce qui bouge et de se dire « je vais monter ce projet ». Non, non, ça sert à rien. D'arriver à recentrer les choses et de se dire pas seulement où est-ce que tu es le plus efficace mais où est-ce que tu es le plus pertinent en fait, et parce que cette pertinence c'est un endroit dans lequel je sais que je vais m'investir affectivement, et que si je m'investis affectivement je vais produire fatalement quelque chose qui me sera unique et qui donc ne sera pas connu des autres. Et pour revenir à l'image du coureur, ça sert à rien que je dessine le coureur, puisque d'autres vont arriver à le faire en faisant une proposition graphique. Et moi, je sais que je vais faire aucune proposition graphique. Je vais reproduire un coureur de 100 mètres haies. Ça sert à rien. Dans mon cas, ça sert à rien. Donc, savoir élaguer là-dessus, et puis avoir la conscience, cette conscience que je ne vais pas faire 10 projets jusqu'à la fin de ma vie, et que les quelques projets que je vais garder, je vais essayer de les mener à terme, et comme un dingue, et en essayant de concentrer toute mon énergie justement sur tout ce que tu apprends de façon empirique dans les premières années, de les avoir comme expérience, et d'avancer droit, quoi. Y aller, là, boum, allez, toc. Et voilà, je ne sais même plus quelle était ta question sur les... Si, sur les enseignements, ouais. C'est les enseignements, mais ça, je trouve qu'il y a un vrai virage à 40-50 ans, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de... Ouais, un gros virage, là, faut se dire, bon... et c'est comme ça dans tout, je trouve, que la façon dont on organise sa vie aussi, hein, sur les... Surtout sur les amitiés, les discussions, c'est comme de continuer à discuter pour discuter en essayant de défendre une idée pour laquelle on se fait l'avocat du diable, alors que ça ne mène à rien, mais on le fait quand même. Alors ça, c'est marrant à 20 ans, à 50 ans, j'ai plus envie. Enfin, c'est le rapport au dessin, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire d'être l'avocat du diable de son propre travail, c'est stupide, ça sert à rien. Il faut savoir couper les branches et dire non, ça c'est de la merde, et puis c'est pas très intéressant, ou il y a mieux à faire, ou j'ai fait ça pendant 10 ans, et bon ben voilà, ça mène à pas grand-chose. C'est pas parce que je n'arriverai jamais à dire quoi que ce soit avec ça. Alors... Comment est-ce que tu abordes un nouveau projet, là, justement, tu parles du futur, là, comment tu te lances dans un nouveau projet, comment t'abordes ça? Alors, un nouveau projet personnel ou un travail de commande, parce que c'est... Plutôt un truc perso, autant qu'à faire... Remarque, ça peut couvrir à peu près les deux, parce que maintenant c'est devenu un peu le même mode de fonctionnement. Euh,
Ben en fait, maintenant, la façon dont j'aborde les nouveaux projets, c'est justement plus de... pas forcément d'être sur des projets où on est 10 personnes en se disant ouais, on va monter tel truc, là on va monter une société pour ça, et puis mais pendant 2 mois il va falloir qu'un tel travaille sur tel truc et tout. Non, de resserrer les projets, c'est-à-dire de faire des choses où on peut maîtriser le plus possible toute la chaîne de production. Ça aussi, s'il y avait un conseil à donner, entre le moment où on commence la fleur au fusil en se disant mais on va bouffer le monde avec cette idée géniale, oui, d'accord, mais pour la réaliser, il faut 200 personnes, donc c'est tout de suite vite compliqué. En fait, plus il y a de personnes en jeu, plus il y a de budget, et plus il y a de budget, plus ça fait intervenir des personnes qui sont des freins potentiels à une idée. Donc la conclusion, c'est plus on est seul, plus ça va vite. Et plus on arrive à ses fins, et que le résultat final est le plus proche de ce que l'on voulait au départ. Sinon qu'on n'arrive jamais à ce qu'on avait dans la tête, hein. Ça c'est un autre problème. Mais en attendant, au moins dans l'exécution, que cette exécution soit respectée au maximum et que finalement c'est ce qui transparaisse vraiment dans le projet final. Donc ça, déjà, c'est d'aborder les projets comme ça, plus tôt. Donc c'est carrément plus du tout de la production, parce que tout travail de production implique le travail avec un nombre assez conséquent de personnes, et quand c'est en équipe très serrée, ça dure 10 ans. Donc production, il y en aura peut-être, hein, que ce soit cinéma, dessin animé, jeux vidéo, j'en sais rien, mais sûrement pas avec les protocoles actuels du marché du travail. Donc c'est essentiellement projet personnel, et j'évite de foncer comme j'avais tendance à foncer, d'essayer de pondre des trucs, et puis j'avance un peu plus précautionneusement, je fais 2-3 trucs, je laisse reposer, je fais des boulots de commande, des trucs comme ça, et puis je reviens dessus cycliquement, et en fait c'est dans la durée plutôt que ça se fait, de façon à épuiser mon propre cerveau presque, c'est-à-dire de me dire, de commencer à avoir du recul comme si j'étais une autre personne, non pas la personne qui avait fait ce travail-là, mais qui pouvait avoir un regard extérieur parce qu'on a déjà digéré le travail. Et de se dire, bon ben voilà, là, le dessin, il est mûr, il me convient, finalement, je l'ai suffisamment regardé, ça veut dire qu'il a suffisamment d'intérêt pour moi, allez, j'essaie de lui coller son application professionnelle. Je vais expliquer au travers d'un exemple, parce que c'est assez incompréhensible, je pense, ce que je dis, mais quand j'ai commencé Gotland, qui est un livre d'illustration, c'est un livre d'illustration avec 3 axes différents, c'est-à-dire 3 approches graphiques différentes, dans 3 temporalités différentes, au travers de 3 nouvelles différentes, enfin, tout était des façons de traiter des thèmes lovecraftiens, mais au travers de 3 spectres radicalement différents. Et graphiquement, il y a de la photo, de la peinture à l'huile et de l'encre. Et je voulais que chacune des histoires ait un traitement différent, même si on retrouve après des traitements croisés, hein, mais et que chacun de ces projets-là soit suffisamment poussé pour pouvoir être posé à côté les uns à côté des autres. Moi, je suis pas un encreur. Je m'appelle pas Bernie Wrightson, j'ai pas des, je suis pas un grand encreur, mais j'adore le travail, j'adore quand même le travail de l'encre. Mais je me dis que à côté de l'huile, je suis pas à niveau. Donc je vais commencer des boulots en les laissant mûrir. Il y a des boulots que j'ai laissés pendant 6 mois, 1 an comme ça, en me disant bon, ça c'est pour Gotland, mais pas tout de suite. Et puis de revenir dessus après cycliquement, et c'est vraiment une autre façon d'aborder le travail, de pas se dire bah voilà, quand on a posé le dernier trait, bah voilà, c'est fini. Non, c'est le début. C'est ça a posé une vision. Donc à partir de cette vision là, il va falloir faire 10 autres dessins qui eux seront les projets finaux. Et là c'est autre chose, c'est une autre logique, c'est une autre mécanique. Alors, as-tu connu des échecs ? Oui. Il y a toujours des problèmes. Ben, comme dans... déjà, tout ce qui est production, alors,
Échec et regret, je vais mettre ça dans échec et regret. C'est ce que j'expliquais sur la production, sur le fait que le problème de la production, plus on multiplie les occurrences, plus ça fait ça, plus ça enclenche des interventions décisionnaires qui n'ont parfois rien à voir avec le schmilblick et qui font que ça complique plus le projet qu'autre chose. À la fin des années 90, début des années 2000, j'étais sur pas mal de projets, sur du jeu vidéo, des projets d'anime, de trucs comme ça. Et jamais rien ne s'est fait comme j'aurais voulu que ça s'enclenche. Et ça m'a quand même frustré parce que en fait, il y a eu un moment clé parce que c'était un choix de vie. Derrière, il y avait un choix de vie. Je comprenais que j'ai toujours compris ça et ça me dérangeait pas que pour aboutir à un projet en audiovisuel, il faut 10 projets pour en aboutir un. Mais que sur ces 10, entre le 10 et le 1, on en a poussé 5, on en a surpoussé 2-3, et il n'y en a qu'un qui reste au final, dans le meilleur des cas. Et ça se passe sur plusieurs années. Et bien ça, automatiquement, c'est une autre logique de travail, c'est une autre philosophie de vie, et qui ne correspond absolument pas à la mienne. Alors le temps que je comprenne ça, j'ai enquillé pas mal de boulot quand je travaillais, quand j'avais la direction artistique d'Arcel Tribe à la fin des années 90, qu'il y avait des interventions, il y avait des projets de films d'animation, de séries, de trucs comme ça, de projets de plateforme croisés entre dessins animés, jeux vidéo, jeux en ligne. On est au début de la 3D temps réel. On est au milieu de tout ça. Je me dis, ouais, évidemment, il y a des trucs à jouer. Il y a plein de projets qui se montent. Aucun ne s'est fait. Aucun de ces projets intéressants, hein, j'entends, hein, parce qu'il y a d'autres choses. Moi, les jeux que j'ai faits, je suis très content, mais ils étaient encore dans le domaine du faisable. C'était ce qui pouvait être fait à l'époque, donc voilà. Mais dans les projets un peu plus fous, un peu plus déjantés, qui amenaient plus de prod et des enjeux assez importants, ben, tout ça ne s'est pas fait. Donc des vrais regrets là-dessus, parce que j'aurais vraiment aimé. Pour moi, c'était un vrai terrain de jeu. C'est-à-dire de ne pas rester qu'au stade du dessin et d'ouvrir ça entre la direction artistique, direction de projet. Ça, j'ai toujours aimé faire ça et j'aime travailler en équipe. Donc, je suis pas forcément un type de l'isolement, même si j'aime beaucoup ça et que je le fais, c'est ce que je fais en fait. J'aime autant travailler en groupe que seul. Donc, le regret de ne pas avoir pris conscience que faire ça voulait dire s'asseoir sur tout autre projet personnel, comme les livres d'illustration, la bande dessinée, tout ça, et de dire je continue là-dedans et j'y arriverai. Et fatalement, on arrive à sortir des trucs à force d'insister, mais c'était un enjeu, changement de cadre de vie, de mode de vie et des rythmes de vie complètement dingues. Et qui me plaisait pas, enfin qui me permettait pas de construire ce que je voulais ou changer de fusil d'épaule quand je le voulais. Et en fait, en 2000, je dis, ben, j'arrête la prod et je passe à la bande dessinée. Et là, je commence à travailler en bande dessinée. Donc, grande joie de travailler en bande dessinée, mais j'attends 30 ans finalement avant de pouvoir faire ça. Mais avec une petite frustration quand même de savoir que les autres domaines se sont plantés. Et moins de 2 ans après, je pose pour Besson, donc je reviens à la production moins de 2 ans après, hein, mais c'est pas pareil, c'est pas le même cadre, il n'y a pas de velléité de création, c'est pas la même mécanique, c'est de la prod, ouais, c'est de l'application. D'accord. Alors 2020 commence. Mmh. Est-ce que tu as pris des résolutions ou je crois que tu te lances dans un projet, là, tu t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux en parler ou est-ce oui, que c'est oui. secret Non, non, c'est pas secret, c'est encore un peu difficile à définir parce que ça, tant qu'on l'a pas vu, c'est assez obscur. C'est toujours un peu obscur d'en parler. C'est vraiment l'idée de monter une plateforme. Bah, là, je reviens un peu à mes premières envies. Hein. Mais pas par.
Je suis arrivé à un constat dans, alors dans les fameux constats, ça revient à ça. Le constat, c'est que donc j'étais assez gros joueur de jeux de rôle avec les copains, l'équipe des copains de l'école de dessin. Pendant plus de 20 ans, on s'est quasiment arrêté sur le jeu de rôle. Et nous, quand on faisait du jeu de rôle, on développait l'univers en entier. On avait tendance à tout développer dans tous les sens, à développer les castes, la géographie, les cartes, les PNJ, donc tous les personnages intervenant dans l'histoire. Donc à avoir cette déviance naturelle qu'on avait en tant que dessinateur de tout dessiner, puisque sont des jeux qui présentent des univers fantastiques, donc décalés, et fatalement, il n'y a pas d'image qui existe. En plus, à l'époque, Internet n'existant pas, les banques d'images, il fallait se lever tôt pour en trouver. Donc c'est nous qui les fabriquions, finalement, les banques d'images. Et après avoir développé un univers qui date de 90-91 à peu près, que j'ai fait jouer, dont j'ai fait jouer quelques parties avec le groupe de copains, là. Ça, c'est toujours resté en tâche de fond. Ce truc-là est toujours resté. J'avais des tonnes de dessins, de croquis, de trucs, d'idées, et puis surtout, j'avais commencé à écrire pas mal de choses dessus, dont les règles, hein, mais les règles, l'univers, voilà, toute la mécanique, toute cette mécanique-là. Et en fait, je me suis aperçu que pendant 30 ans, je puisais indirectement dans ce fond-là pour réaliser tous mes boulots. Dès qu'il y avait un boulot fantastique, je me disais « Ah ouais, mais tiens, ça pourrait être comme chez dans la caste machin, la guilde truc, sur tel continent, qui faisait des trucs comme ça dans mon jeu. » Et de pas dessiner la même chose, mais de partir de cette base-là en me disant bah « voilà, c'est... » C'est un peu comme une sorte de... un univers carte d'identité. C'est-à-dire quelque chose qui était... que j'avais fait aux alentours de 20 ans, 20, 21, 22, que tu développes pendant 4-5 ans, que tu fais jouer à des copains donc, qui t'amènent du grain à moudre en plus, qui amènent de nouvelles idées là-dedans, qui posent des questions, donc, et ça, comment ça fonctionne, donc on est bien obligé de le cogiter. Et j'avançais pas mal de boulot en fait avec des rémanences de cet univers-là. Et puis, ça fait. Je m'étais déjà fait la réflexion il y a une dizaine d'années, je me suis dit, maintenant mon gars, t'arrêtes tes conneries, tu mets ça à plat. Et puis, c'était le médium, mais le faire comment? Donc, je suis parti pendant pas mal de temps sur l'idée de faire une série bande dessinée, sur un format atypique et sur un truc, mais. Très vite, j'ai eu peur de m'engager en me disant, si je m'engage avec un éditeur, si l'éditeur me lâche en cours parce qu'à partir du tome 2, ça l'intéresse plus, ou parce qu'il voit que ça se vend pas assez, je vais être là à traîner comme une vieille chaussette, et mon travail n'aura servi à rien. Or, moi, dans ma tête, il y a au moins 20 tomes. Donc, à quoi ça sert de se lancer dans un truc où je suis pas sûr d'avoir les rênes de la finalité du projet? Et ça m'a vraiment angoissé pendant des années. Et mais je suis arrivé jusqu'à faire un découpage de 120 planches, en amorçant pas mal d'images du projet et tout, le découpage, l'histoire. Hein. Et puis à force de cogiter, il y a d'autres projets qui sont passés par là, hein, c'est resté un peu en plan. Et puis là, l'année dernière, j'ai dit bon, j'arrête tout. J'ai dit j'arrête tous les boulots autres que ceux qui sont de la commande directe, comme tous les jeux, tout ça, bon, qui sont mon quotidien, hein, qui me font vivre. Je continue à faire des couvertures de livres, des choses comme ça, toutes les choses sympas qui ne demandent pas non plus un temps gigantesque. Mais le reste, j'ai arrêté, c'est-à-dire notamment de m'embringuer dans des nouveaux projets avec 50 personnes en me disant « ouais, on va faire ça, ça et ça ». Non, non, ça j'arrête, je consacre tout à cet univers-là, en me disant ben, « focalise-toi sur cet univers-là et développe tout ce que tu es capable de faire sur cet univers. » Donc du coup, il y a, j'ai commencé là, j'ai écrit à écrire des nouvelles, à faire de la musique pour au départ pour me faire plaisir, mais aussi pour mais aussi parce que ça fait partie de cet univers-là. Il y a donc des cartes, des illustrations, des esquisses, toutes ces choses-là qui construisent un univers, un moyen d'embarquer dans un monde. Après, la finalité économique commerciale,
J'ai des idées là-dessus, mais c'est extrêmement flou parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas encore de support physique, de destination physique que je veux spécifiquement. En fait, c'est pas ce que je recherche. Je recherche plus un concept de mise à plat d'univers plus qu'une finalité. Parce qu'après, s'il y a moyen de faire un livre, j'arriverai toujours à faire un livre. C'est, quelque part, c'est pas un problème. Le problème, il est pas là, c'est comment mettre à plat un univers. Et j'ai pas envie juste de dire « Ouais, je vais sortir un livre univers. » Non, je pense que c'est plus vaste, il y a d'autres moyens de présenter ça. Donc là, ça va passer dans un premier temps par un site qui sera la plateforme principale du projet, sur lequel on aura accès le plus possible. Dans un premier temps, ce sera, je pense, sera open bar, hein, on sera consultable par n'importe qui, de pouvoir écouter de la musique et lire des textes et regarder les dessins et avec des explications. Donc il y a en même temps un aspect didactique du projet quand même, c'est que je suis obligé de raconter l'univers un petit peu, parce que on ne découvre pas un univers qu'au travers de nouvelles. Mais inversement, on ne peut pas que écrire un manuel de jeu de rôle, ce qui est profondément ennuyeux quand même. Et que c'est pas mal d'avoir des nouvelles qui mettent en abîme les éléments qu'on peut trouver dans les éléments de jeu. Donc c'est d'arriver à faire tout ça. L'une des finalités, c'est d'en faire un jeu de rôle, oui. C'est de revenir à la source, c'est-à-dire à ce que c'était un jeu de rôle. Après, la question fondamentale, en fait, c'est une inversion de la pensée. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est pétri de licences, où l'ensemble de la culture s'oriente, que l'on soit dans l'histoire, hein, parce que je considère le Louvre comme une licence, comme Orsay une licence, comme Versailles une licence, qui vendent des projets culturels et des façons de voir la culture dans le passé et dans le présent. Je trouve que tout est orienté, notamment sur notre secteur d'activité, qui est le dessin d'illustration, donc qui est plus un art appliqué qu'un art d'exposition, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours associé à un support, que ce soit un support livre ou un dessin animé ou un film. Tous ces médias-là sont complètement bouffés par la licence, c'est-à-dire par l'idée que... en gros, les univers existent déjà, il n'y en a pas d'autres, et c'est au travers de ces univers-là qu'on continue de creuser. C'est le principe de Marvel, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, même Lovecraft, hein, j'ai envie de dire, hein, même Lovecraft finit par entrer dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que les gens qui produisent ne prennent plus de risques et prennent comme prérequis de travailler à partir d'une licence pour essayer de creuser quelquefois de très belles choses, de très belles histoires, mais malgré tout en se réappropriant quelque chose qui a déjà été fait. Et ça, moi, cette idée m'insupporte, m'emmerde profondément. Et on nous appelle, en fait, nous sommes les premières personnes, qu'on soit scénariste ou dessinateur, on est les premières personnes appelées pour essayer de twister tout ça pour arriver à faire quelque chose de nouveau. Sans jamais nous demander, mais les gars, si vous nous créez quelque chose de début, quoi. On part de l'an zéro et allez-y, bâtissez un univers. Non, jamais, jamais. Ils n'ont rien à foutre. Et c'est jamais le... Et le processus ne cesse de s'aggraver. Et je trouve que la culture ou les propositions culturelles sont très orientées vers ça. Aujourd'hui, hein, ça changera peut-être et je ne suis pas sûr que ça s'arrange. Et quand je réfléchissais à mon projet d'univers, je me disais, bah, t'es gentil, mais tu débarques en fait dans un monde où, justement, quand tu proposes quelque chose d'autre, c'est justement ce qui se vend pas. Moi, ce que j'ai vu des livres illustrés ou de choses que je trouve très très belles, souvent, qui m'attirent moi, sont typiquement les choses qui sont pas achetées. Parce que la proposition de quelqu'un qui propose un univers devient une proposition décalée par rapport à ce qui existe. Et que même dans les univers fantastiques, les gens finissent par avoir besoin, parce qu'on les habitue, à se raccrocher à des codes existants. Et ces codes existants, c'est de dire que un magicien, ce sera toujours Gandalf. Que
une chouette ou un bâton de sorcier, ce sera toujours associé à Harry Potter et à ce genre d'univers, et que les sorciers, ça peut être que ça. Et qu'on réduit finalement le système de pensée et de rêve de tout un chacun au travers de codes, on surcode tout ça par ce système de licence qui fait que tout le monde est en train de penser le fantastique de la même façon. Alors ça, moi, ça m'insupporte parce que justement, le fantastique, s'il y a une intelligence à travailler dans le fantastique, c'est d'essayer d'apporter aux gens des éléments qui puissent faire rêver les gens au-delà de ce qu'ils connaissent. Or, où est-ce qu'on les frustre? Justement, en leur posant quelque chose qui préexiste. Et du coup, la réflexion de mon fameux univers, je me dis, tant qu'à faire, autant partir tout seul, à faire mon petit business et puis à essayer de monter mon petit univers. Mais mon idée, c'est pas d'atteindre une licence Star Wars, ça sera jamais le cas. Et c'est pas le propos. Mais pour pouvoir en vivre, j'en suis par contre arrivé à la conclusion que pour que ça ait un jour, pour que ce soit susceptible d'exister vraiment un peu durablement, il faut que ça devienne une licence, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça imprègne suffisamment les gens pour qu'ils aient compris que ces codes-là peuvent être appréhendés de façon simple. Parce que souvent, ce qui rebute les lecteurs à l'ouverture d'un livre ou d'un film trop atypique, c'est ça, ce sont des éléments qui vont rebuter. Parce que ça vient de nulle part, ça vient de la personne qui l'a fait. Et ça, je trouve ça toujours terrible. Je trouve ça toujours terrible comme constat. Donc le principe, c'est de dire, ben voilà, on est dans une société qui permet plus ça, ben, essayons de redonner, de partir à l'envers. Alors ça, c'est quelque chose que aucune boîte de prod n'est capable de faire, mais qu'on ne peut faire que seul, c'est de dire, ben voilà, j'ouvre un site et je vous pose des choses, vous avez le droit de les voir, vous avez le droit de les lire, vous avez le droit de les écouter, je ne vais pas vous emmerder avec des histoires de droit, de machin, ben, sauf que c'est juste à l'utilisation de la personne, hein, c'est pas à diffuser évidemment, mais c'est de rester sur cette idée que voilà, j'ai envie de partager un univers. Cet univers, je vais le nourrir, mais j'en ai pour des années. Et pour pouvoir le nourrir pendant des années, j'essaye par d'autres moyens financiers d'autofinancer ce projet-là, de ne pas prendre comme présupposé qu'il faut que ce soit autofinancé par les gens, et que petit à petit, cet univers-là devienne une licence en soi. C'est-à-dire que il devienne une évidence de dire « Ah ben ouais, c'est l'univers de Nicolas, ben voilà ». C'est aussi simple que ça. Mais de dire c'est aussi simple que ça, c'est une vraie traversée du désert aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, je pense, il y a 40 ans, au début de... au grand démarrage de la BD des années 70, de la BD adulte des années 60-70, ça aurait été 10 fois plus facile, ce genre de propos. Ou au début, qui était aussi le début du jeu de rôle, ça aurait été une voie royale. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas simple du tout. Et que, de toute façon, il y a des enjeux économiques qui se portent d'abord sur... c'est par degré de licence, c'est par... voilà, et tout est traité comme une licence. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long, hein, mais ça demande explication, parce que le projet ne la forme finale du projet, j'en sais strictement rien à cause de tout ça, parce que je pense qu'il faut faire préexister les choses pour trouver les formes futures. Parce que les formes futures, ce ne sont pas forcément des livres ou des... Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Même le projet BD de la BD, il y a 10 ans, c'était un projet BD, mais sur iPad. Hein. Pas en livre édité. Le livre édité était même un produit dérivé, pour moi. Mais le format, pour moi, c'était un écran d'iPad, point. C'est de caler, on ne sait pas, moi, j'en sais rien. Comment on regardera des images dans 10 ans. J'en sais strictement rien. Alors, tu en as déjà parlé un peu, mais c'est quoi pour toi l'imaginaire aujourd'hui Alors, je rattache beaucoup l'imaginaire, qui est un très bon mot, hein, à l'onirisme. Ce que je disais ouais, précédemment, qui est la capacité que tout un chacun a de rêver.
Alors, de rêver, pour moi, rêver est un acte d'intelligence. C'est à peu près comme le rire et les blagues. C'est-à-dire, c'est la blague qui est ce paradoxe, ce quiproquo qui fait que s'entrechoquent deux concepts incompatibles qui font qu'on rigole. Et je trouve que le rêve, l'onirisme, marche un peu de la même façon. C'est-à-dire, c'est d'associer des choses, je sais pas, parce que tout est disproportionné, parce que les couleurs sont complètement anormales, que la mise en abîme, voilà, l'espace est différent, que voilà, toutes ces choses qui sont du domaine du décalage qui amène la notion de rêve. Et cette notion de rêve, c'est la. Il n'y a rien de plus important. Pour moi, il n'y a rien de plus important que l'autonomie de l'intelligence. C'est-à-dire de pouvoir être bien avec soi-même. Parce qu'on se construit tout le temps, à tout instant. Et que le rêve fait partie de ces éléments qui viennent donner des éléments réflexifs. Et pour sa propre réflexion, mais aussi pour son bonheur. Pour la beauté, la gratuité de la beauté des choses qui ont été vues, qui ont été ressenties. Et ça, pour moi, l'onirisme. Alors, quand je dis onirisme, je le pousse jusqu'à la fiction contemporaine aussi. Enfin, c'est pas. Quand je dis ça, c'est pas. Il faut pas voir des dragons et des vaisseaux spatiaux forcément. Hein. C'est la capacité de rêve, c'est la capacité à décaler les choses. Moi, celui qui, au lieu de voir un écran, voit les filaments de connexion qui n'existent pas, mais qui verrait des filaments de connexion du cerveau à la machine et qui représente ça. Pour moi, ça, voilà, c'est de l'onirisme, c'est la capacité de décaler les choses et de voir les choses autrement, de changer le réel. Ou de s'approprier le réel et de lui donner une autre identité. Et ben je trouve qu'on est quasiment comme dans le même décalage que la blague, en fait, que l'humour. C'est voilà, c'est du coup, je sais même plus de quoi j'étais Non, parti. non, non, tu réponds Ouais, parfaitement à ta bon. question. C'est quoi pour toi l'imaginaire? Oui, ben voilà, c'est de quoi pour toi Ouais, l'imaginaire. Ben ouais, ouais. voilà, ouais. Alors, une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu es un artiste? Alors, j'ai toujours du mal, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, notamment dans l'illustration, dans tous ces domaines-là, à assumer le mot d'artiste, parce que on n'a jamais été catégorisé comme tel. Oui. Oui, je suis artiste. Après, je pense qu'en fait, je n'ai jamais trouvé de définition de l'artiste. Alors le problème, c'est que je te dis oui, mais en même temps, je n'ai pas de définition de l'artiste parce que dans ma tête, profondément, ça n'existe pas. Alors l'artiste, c'est la définition qu'en fait De Vinci quand même, quand il fait la différence entre l'artisan et l'artiste. Il dit l'artisan exécute, moi je fais ce que je veux. Et oui, donc dans ce sens-là, oui. Alors, si c'est la définition de Vinci du XVIe siècle, il n'y a pas de problème. Oui, je suis artiste. Après, l'art est une notion très obscure et qui pourrait avoir beaucoup de débats philosophiques. Et je suis quasi persuadé qu'il n'y a pas encore de bonne définition de l'art. Par contre, il y a des vraies définitions de la création. Alors qu'il y a des travers tout aussi ambigus, mais je pense que on est plus dans. Alors sans l'utiliser de façon pompeuse, parce que s'intituler créateur, faut quand même bien se la péter. On est plus dans le domaine de la création, mais alors la création du faire, c'est la réalisation de choses, faire des choses, créer quelque chose. Et encore une fois, je trouve qu'un physicien est autant utilise les mêmes mécaniques cérébrales que le dessinateur, en fait.
un mathématicien, quand il fait une recherche fondamentale sur, sur tel phénomène, sur tel... un mathématicien qui fait de la recherche fondamentale, il a un processus cérébral qui est l'équivalent d'un peintre devant sa toile. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est très dur à... On colle à l'artiste, en fait, une façon de créer au travers d'un certain type de médium. Et en fait, c'est ça qui me dérange dans la définition de l'art, parce qu'après, je trouve qu'il n'y a pas à différencier les gens en disant « eux, c'est des artistes, eux, ils seront jamais artistes » et tout. Je n'aime pas catégoriser les choses. Par contre, ce qu'on peut catégoriser, c'est qu'effectivement, certains font ça parce qu'ils ont cette appétence à voir et à transformer les choses comme ça. D'autres l'ont pas, mais par contre, tout le monde a la capacité de rêver, pour revenir à ce que je disais précédemment. Et que la capacité de rêver, c'est aussi la capacité d'appréhender ce qui est développé par des gens qui sont susceptibles de faire des choses que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Au même titre qu'on utilise bien le progrès du mathématicien quand on fait son application physique. Donc, de la même façon, je trouve que la canalisation de l'art vers... de l'art vers l'onirisme est la même que des mathématiques fondamentales ou aux sciences appliquées. C'est-à-dire qu'il y a une façon après de faire redescendre ça sur des choses physiques, sur des éléments concrets, et que tout le monde peut partager et peut pratiquer. Donc c'est... artiste, oui, je vais quand même dire oui, parce que mon processus de travail est quand même plus orienté là-dessus. Après, au quotidien, on ne fait pas de l'art tous les jours, hein. D'accord, et ça sera ma dernière question. Former quelqu'un, transmettre, est-ce que... Alors, je crois que tu as déjà été professeur. Ouais, mais pas jamais à temps complet, jamais. Stagiaire ou une stagiaire, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire ou que tu as déjà fait? Alors, j'ai déjà fait. J'ai fait des petites interventions en école, hein, deux, trois fois. Pas énormément. J'adore ça. On va le mettre dans les regrets, ça j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait plaisir, parce qu'il y a... Alors peut-être moi aujourd'hui, parce que j'ai envie de consacrer le temps à d'autres choses maintenant, mais j'aurais bien aimé être un peu prof, ça m'aurait plu. Alors sur les stages je le fais même avec les stages de 3e, et parce que ça a commencé quand je travaillais encore quotidiennement à Paris. Et parce que sur les écoles autour, ils me demandaient assez régulièrement. Tous les ans, j'ai eu quelqu'un. Même ici, j'ai eu du monde aussi ici. Et même dès la 3e, parce qu'il y a des âges clés où on n'ose pas se dire, mais même pour soi, moi, je me suis jamais dit « tu seras dessinateur » dans mon parcours. En dessinant toute la journée, mais on se dit pas « c'est mon métier ». Non, même pas. Moi, ça percutait même pas. Et je me dis, on n'a pas envie de voir des gens qui s'auto-piègent, en fait, en ne prenant pas le bon virage au bon moment. Et malgré tout, les enfants, ce sont des enfants, ils ont 14 ans, qui sont venus en stage pour les stages de 3e. Après, j'en ai eu un peu plus tard aussi, en terminale, et puis juste après bac aussi. Un petit peu, mais à 14 ans, il y a quelque chose de phénoménal, c'est que c'est, là pour le coup, pour eux, c'est un vrai langage. C'est un langage d'expression. Et on sent que ça fait pousser des choses qui n'iront sans doute pas vers le dessin. Mais le dessin est une sorte de premier palier pour accéder à d'autres choses, d'autres envies qui sont orientées vers le monde de la culture, de l'art, tout ça. Donc, pas forcément de l'application directe, mais on sent que ça pousse et que c'est ce qui les attire. Je trouve qu'il est essentiel quand même en une semaine, parce que ces stages-là, c'est juste une semaine, hein, dans ce cadre-là, bon sang, qu'est-ce que c'est important de leur dire, t'es pas obligé de te dire que tu vas être commercial chez William Sorin ou d'amener autre chose, quoi. J'ai passé mon enfance à avoir des réunions, les réunions professionnelles avec des gens qui dégoûtaient de leur branche professionnelle et qui faisaient des choses qui ne m'intéressaient pas, quoi. Donc, il n'y avait jamais d'artiste, hein. Donc, c'est important pour ça, je pense.
je trouve qu'on est une société où le rapport à l'artiste est presque le même rapport que le rapport à l'étranger. C'est une bête curieuse, alors c'est sympa quand l'artiste il fait pas trop de bruit et que il dérange pas trop les lignes, hein, les lignes de la société. Dès qu'il commence à les déranger, alors là, c'est ouais, on est très critique quand même vis-à-vis de l'artiste parce que il vit dans la société, il profite de tous les atouts de la société, mais finalement, il fait rien, quoi, il fait rien de ses journées. Il y a un peu, je trouve, un peu le même rapport qu'à l'étranger. Et quand on a des jeunes comme ça, on discute fatalement avec les parents, on discute aussi parfois avec les profs. Et les profs quelquefois tombent de haut parce qu'ils comprennent pas, ils sont pas du tout dans ces logiques-là. Et ils n'imaginent pas que ce soit une profession. Enfin, nous sommes des gens normaux. Nous sommes des gens tout à fait normaux. Et ça permet de remplacer les choses aussi, en fait. Il n'y a pas que le... Ça permet d'éveiller un peu tout le monde. Voilà. Super.